Salut tout le monde, c'est Stéphane J83, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ma première vidéo en champion de journée en direct, donc c'est un nouvel épisode de journée en direct, le déplacement en Bastia, sachant qu'on réussit pas très très bien à Bastia, c'est un peu compliqué encore ça, pour nous, surtout à Bastia, parce qu'au Gazélec encore on a réussi à partir avec les 3 points il y a 2 semaines, mais sinon vraiment à Bastia, voilà quoi. Mais même s'ils jouent plus rien là-bas, je crois qu'ils ont assuré leur maintien. Et donc voilà, attention quand même, parce qu'on sait les Corses, hein, ils jouent tout jusqu'à la fin de l'année. Surtout qu'ils peuvent peut-être aller chercher l'Europe. Bon, je pense qu'ils ont 10 points de retard à peu près, donc ça va être vraiment compliqué. Même mort, je dirais, pour eux, mais leur objectif c'est le maintien. Donc peut-être qu'ils peuvent aller jouer au milieu de tableau, aller chercher une petite 8ème place, 7ème place, je pense. Bref. Voilà, donc on sait qu'il a jamais rien, Bastia, donc attention quand même. Avec Fabien Lemoine, allez Oussama Tanane là. Oussama Tanane. Tanane qui peut centrer, contrer. Et corner en notre faveur. On va faire la technique. Mais pourquoi ça me fait tout le temps comme ça quand je fais la technique? Allez, ça s'est passé quand même. Frappe Lemoine. Non, Lindrou. Plus de chanceux. Asmé Koto. Oh non. Oh, Roux, ils doivent la mettre celle-là ensuite. Ah, c'est dommage. Ah, pourquoi il retire sur le gardien? Vraiment dommage. Hein. Allez, Assoué Koto, oula, pas de faute. Super interception dans les pieds de Benoît Assoué Koto. Gilles Sioni. Yannick Cahuzac. Biel Danic, l'ancien lyonnais. Cahuzac. Clément qui intercepte, qui va aller chercher la tête de Roux. Modesto qui devance Roux. Fofana, Guité. Sioni, Fofana. Yannick Cahuzac. François Modesto, Fofana, Sébastien Schillaci, Florian Marin, Fofana, Schillaci, tourne le jeu du côté Bastier, Gilles Sioni, Danick. Allez, l'interception stéphanoise. Allez, avec Jérémy Clément qui va aller chercher. Dommage, c'était vers Coad. Voilà, c'est Mekoto qui récupère ce ballon. Clément qui perd encore une balle. Attention quand même Clément là. Floyd Ayité, attention. L'accélération de Floyd Ayité. Il n'y a plus d'Assoué Koto. On ne sait pas où il est. Louis Perrin est venu couvrir. Et 6 mètres ou corner? 6 mètres pour Stéphane Ruffier. Car on l'a vu, il allait récupérer un ballon là-bas. Donc il peut allonger tranquillement loin devant vers Roux. Qui dévie bien. Mais Tanane a oublié le ballon. Et il se rattrape bien. Ça, Tanane, ça c'est bien. Tanane, le voici. Vers Renaud Coad. Ah, Coad qui perd cette balle. Floyd Ayité. Yannick Cahuzac. Fofana. Yannick Cahuzac. Florian Barrange. Gilles Sioni. Floyd Ayité. Florian Barrange. Sébastien Schillaci. Florian Barrange. Gilles Sioni. Yannick Cahuzac, Gilles Sioni, Florian Marange, Brandao, qui va aller chercher Marange. Attention, il y a un trou là-bas, pas de hors-jeu. La reprise retournée, magnifique! Et hors-jeu. Mais beau but, hein. Pas retourné, mais voilà quoi. Ça aurait été un beau but quand même. Parce que c'est pas tout à fait une retournée. Allez, Fabien Lemoine. Ah, faut mettre moins de temps, faire la passe là, Lemoine. Palmieri qui va aller chercher Brandao. Brandao face à Bayelsa, Alperin. Roux. Monet Paquet. Roux. Théophile Catherine. Galdanik. Avec Yannick Cahuzac, attention vers Brandao. Brandao, le bon sorti per centre. Oh non, c'est pas Danick. Ah les gars, c'est Danick. Hein. Il se transcende, même si là le but était assez simple. D'ailleurs, super centre hein, de Brandao. Mais Danick se transcende quand il affronte Saint-Etienne. Quand il affronte Saint-Etienne, comme par hasard. Allez, on va faire entrer Eric. Il m'opé. Non, 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 non. Alors là, non, non, non. Non, non, non. Faut abuser. Et Vincent Pajot, voilà.
place de Clément car je trouve pas très bien. D'ailleurs, même notre milieu entier n'est pas très très bien dans ce début de match, pas dans cette première mi-temps entière même. Allez, avec Théophile Catherine. Oh, Théophile Catherine a conduit deux balles. Déjà que c'est lui qui a perdu la balle là quand on s'est pris le premier but. Allez, Nil Mopé. Ça, c'est un bon coup à jouer peut-être avec Valentin et Cyril. Oui, monsieur Tanani, il est parti. Oui, Tanani, il est parti. Tanani, il est parti. Et il est venu égaliser. L'égalisation signée Oussama. Tanan sur la pelouse de Bastia. Super. Super, les gars. On a bien attendu, je crois, avec Mopé. Je crois que c'était Mopé qui avait la balle. On a bien attendu l'appel de Tanan. Et Tanan, peut-être qu'il a mis du temps à faire l'appel, mais il l'a fait. C'est l'important. Personne l'a vu, personne l'a pris alors qu'il avait mis du temps à faire l'appel quand même. Et l'important derrière, c'est la précision. Et il a su mettre ce but très très important. Ah Bastia, attention quand même, attention quand même. Avec Fabien Lemoine, c'est encore un effort défensif de Oussama Tanan. Ah, pas joué Lemoine, les gars, le milieu de terrain. Je me rappelle, le milieu de terrain, pourtant, pendant un temps, pendant beaucoup de temps même, c'était notre force quand même. Et oui, avec Vincent Pajot, allez, vers Oussama Tanan. Oussama Tanan. Allez, vers Théophile Catherine, il faut la tenter. Kevin Théophile Catherine. Oh là là, Théophile Catherine, ça doit être cadré, ça, monsieur. Monsieur Théophile Catherine, ça doit être cadré, ça. Sortie de Danik, remplacé par Ndando. Mais dis-moi, Stéphane, applaudis, on sait pas pourquoi. Avec Palmieri, je crois, parce qu'il a remporté un duel. François Modesto. Jean-Louis Leca. Ce qu'il a dit, faut quand même prendre les 3 points, là. Bastia, ce serait vraiment important. Dans la course à l'Europe, quand tu fais un déplacement à Bastia, certes Bastia c'est du lourd quand même, surtout à domicile, quatrième formation à domicile. Mais quand tu vas à Bastia, je suis désolé si tu veux être une équipe qui veut aller chercher la troisième place, voire la deuxième, car là si on gagne, on revient à 1 point de Monaco, avec Monaco qui aura un match en moins. Il y a 2 points de Lyon, donc voire la deuxième, tu dois aller gagner à Bastia, tu te dois d'aller gagner à Bastia, peut-être sans faire du beau jeu, peut-être sans se créer beaucoup d'occasions, mais en étant réaliste au moins. Tu dois aller gagner à Bastia. D'ailleurs, nous, pour une équipe qui se dit vouloir jouer l'Europe, on a concédé trop de défaites selon moi cette année. 12, c'est trop. C'est trop. C'est plus que l'année dernière et il y a 2 ans. On peut plus, déjà, j'ai remarqué, on peut plus. Je sais pas si vous savez, mais les 2 dernières années, on a fait 69 points. Cette année, on ne peut pas faire les 69 points. On est même en cas de que des victoires dans ces 5 derniers matchs. On ne fera pas 69 points comme les 2 dernières années, donc on peut pas, on peut pas. Après que je veux dire, faut vraiment. On a de la chance que le championnat est serré, parce que si le championnat est comme l'année dernière avec un Marseille, avec Bielsa qui fait que des victoires, avec un Lyon grâce à l'arbitrage qui fait que de gagner, avec un. Eh ben voilà. Je peux dire que là on serait au moins dans les vapes vers la 8ème place. On a vraiment de la chance que le championnat est serré cette année. Mais qu'il y a beaucoup d'équipes qui passent à côté de leur saison, comme Marseille, Bordeaux. On a vraiment de la chance, parce que sinon... Voilà. Donc pour moi, on réalise quand même. Maintenant, j'espère que les résultats seront là. Mais au niveau des... Les résultats, je parle d'aller chercher l'Europe. Mais au niveau des nombres de victoires et de défaites, j'ai envie de dire, par rapport aux années précédentes, c'est une mauvaise saison qu'on fait clairement. Maintenant, après, peut-être parce que les autres années, clairement, pour moi, ont mérité quand même. Parce que croyez-moi, un championnat, l'année dernière, on fait 69 points. Mais comme l'a dit mon frère, si on revient à l'époque où Lyon, il faisait que d'être champion de France, là, on était deuxième. Mais là, ça prouve le championnat à un niveau vraiment plus élevé. On était deuxième, là, si on était à l'époque où Lyon, il faisait que de finir champion de France. Allez, Perrin. Non, mon père. Oh non. Pas de pénalty, c'est pas possible. Voilà, donc je le dis, hein, si on a l'époque vers les années 2010, là, où Marseille aussi gagnait les titres, même l'année 2012-2013, là où Marseille faisait que faire des 1-0, et ben on serait deuxième, et match nul à Bastia, c'est pas bon, c'est pas bon. Même si Bastia, c'est Bastia, qu'est-ce qu'il veut, lui, la cassette, voilà, par hasard. Même si Bastia, c'est Bastia, hein, c'est pas pour critiquer Bastia, hein, c'est une très bonne équipe à domicile, hein, je dis pas le contraire. Hein. Même à l'extérieur, bah à l'extérieur, faut dire quand même que Bastia, voilà quoi. Mais à domicile, ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Heureusement qu'ils ont d'ailleurs, heureusement qu'ils font des résultats à domicile, sinon.
Voilà, mais on se doit quand même. Peut-être sans faire du beau jeu, mais on se doit. Puisque là, on fait 4 tirs, on n'en met qu'un. Après, là, on n'est pas dans la vraie vie, mais à mon avis, moi, je vous le dis, moi, je sais pas pourquoi, mais ça va être chaud à Bastia. Malgré qu'on est en forme, ça va être chaud. Moi, je préfère une équipe comme la semaine dernière face à 3 qui fait un jeu hyper moche, mais qui prend quand même les 3 points, qu'une équipe qui fait un jeu, voilà, et qui gagne une fois 3-0 et qui perd une fois 3-0. Et je préfère faire un jeu hyper moche et gagner la plupart de mes matchs, quoi. Les faire comme les années précédentes. Bah, je sais pas vous, hein, mais certes, le beau chemin, je suis d'accord, c'est beau, mais voilà, quoi. Donc voilà, donc sur ce, cette vidéo va toucher à sa fin. Donc sur ce, salut tout le monde et à la prochaine.